Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes sur le channel All in One Informatique là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons montrer dans Microsoft Word comment nous sommes capables d'écrire équations mathématiques dans le logiciel ça, logiciel de traitement de texte que vous pouvez utiliser dans le monde là qui c'est Microsoft Word. Ensemble avec nous, allons apprendre et écrire équations mathématiques ça. Vous pouvez regarder avec nous sous écran rapidement dans Microsoft Word. Moi, merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne déjà. Si vous voulez faire ça, vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton rouge pour cliquer s'abonner hein, ou bien subscribe. Puis, pas oublier d'activer la cloche de notification. Hein. Comme ça, nous ne pouvons rater aucune vidéo mieux. Aujourd'hui, nous allons premièrement, nous allons apprendre à taper équation mathématique. Ça, que nous gagnons x est égal à moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Nous allons apprendre à faire ensemble avec comment on est capable de taper. Dans Microsoft Word. Rapidement, vous ouvrez Microsoft Word. Pour faire ça, vous avez le bouton qui est écrit Insert là, dans Microsoft Word. Et puis, vous avez ici dans Équation. Cliquez sur Équation, vous avez signé PIA. Cliquez sur lui. Et puis, là-bas, vous avez une petite boîte de dialogue ça, qui dit que vous tapez Équation. Là. Ça, vous fait, vous tapez. Vous avez commencé à taper Équation. Là. C'est X égale. Et puis, nous allons faire ça à relais et nous avons reste équation qui va apparaître sous forme de fraction. Ça l'a fait. Nous avons venu ici la fraction. Nous cliquons sur lui. Et puis, nous avons pris la première icône qui montre nous comment l'équation appuie. Comment la fraction appuie. Vous cliquez sur lui. Il y a deux petits carrés. Une en haut et en bas. Le premier petit carré, vous cliquez et vous tapez. Et vous commencez à taper. Et pour partir, c'est moins B. Okay. Moins b plus ou moins comment on plus ou moins on va venir ici dans ce symbole ici on va symbole là ouais, mais plus ou moins on clique ici et puis racine carré de b carré moins 4 c comment on va venir ça on va venir ici dans racine carré dans radical on clique et puis on prend première option on prend première on clique sur lui et puis là on a petit carré à partir là on va taper B carré. Pour nous faire un carré, ça n'a fait. N'a pressé chiffre sous clavier non et puis n'a pressé ces exposants qui sont en V. OK? Qui sont en V tête en bas. On est capable de dire, vous cliquez sur lui, OK? Vous faites chiffre pour carré, vous faites chiffre exposant et vous tapez. Vous tapez 2 par exemple pour faire espace automatiquement, il va où B carré. Vous voyez bien comment on fait? Vous faites chiffre, vous pressez chiffre sous clavier là. Et puis presser ces exposants, ok, sous clavier là, ok, et vous faites espace automatiquement, il mettez en exposant pour vous, vous faites moins 4ac, ok, et puis vous venez un petit carré à partir en bas pour taper 2a. Mais comment pour capable de taper équation ça sans problème dans Microsoft Word? Si je veux vous équation à gauche, ok, dans page moyen, vous venez ici, vous cliquez. Je vais dans la justification et puis je prends left. Et puis, deal à la gauche. Je vais taper une autre équation. Ça m'a fait. Pour m'a fait insert, même bagarre là. Et puis, je vais cliquer sur l'équation. Ou bien, tout le monde raccourci clavier qui permet de faire plus rapide. Sous le clavier, vous pressez alt et vous pressez égal. Et puis, les autres taper une nouvelle équation. L'autre équation, nous allons taper là. Ok. C'est équation ça. Ok. Équation ça. Oui. On trouve là qui c'est limite f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à l. On va taper ça. Comment on va le faire pour nous taper ça dans Microsoft Word? La vie dans Microsoft Word, ça l'a fait. La vie dans Microsoft Word, limite, nous venons ici. Ok, nous venons ici. On appuie limite, nous cliquons. Ok, menu à dérouler. Ça nous besoin. Nous besoin d'apprendre ça. Nous cliquons sur lui parce que l'île qui semble à son besoin. Nous cliquons sur lui. Ok, mais voyez comment apparaît. Et puis là, on écrit f de x là. On écrit f de x là. Ok, et puis la petit carré en petit en bas, on tape x. Ok, pour un temps vers la flèche là, vous venez ici, vous cherchez. Vous défilez là, vous cliquez sur le petit triangle en bas. Vous choisissez flèche là, vous cherchez flèche là. Ok, les flèches là, vous cliquez sur lui, tend vers l'infini par exemple.
le l'infini, infini, c'est ici, on vient et tout, cliquez ici, et puis vous venez là, vous venez pour l'infini, ok, est égal à, par exemple, est égal à L. Ok, ça c'est la deuxième équation, on apprend à taper avec moi dans Microsoft Word. L'autre qu'on a fait, on va venir ici. Nous pouvons apprendre ici, réaliser l'équation ça. Système d'équation ça. Ok, à quoi la 2V3, x moins 4, y égale à 0, 5x moins 2, y égale à moins 1. Comment on va faire ça dans Microsoft Word, on va venir. On va insérer une nouvelle équation. Pour nous faire ça, on a fait un insert, on a fait équation, et puis nous allons taper, et nous allons taper système d'équation. Pour nous faire ça, on a fait un bracket, ouais, ici, nous cliquons, menu à dérouler, et puis on a cherché icône qui semblait avec le système d'équation que nous avons besoin. Hein. On a fait chercher là, qui sont accolades vert. Ok, okay venu là, ouais, venu. Accolades vert, il y a deux petits carrés, nous cliquons, puis un petit carré en l'air. On tape 3x, ok, moins 4y, ok, est égal à 0. Et puis, on clique sur le petit carré en bas. Carré fait un pointillé, un point, hein? Ok, on tape 5x, moins 2y, est égal à moins 1. L'autre équation, nous allons encore. Ok, comment on va taper li? Par exemple, comment on tape ça? A est égal à delta y sur delta x, etc. Comment on fait ça? Ok, on a vu dans Microsoft, Word, on a fait insert équation, donc on fait alt égal, on clique sur lui, et puis on va commencer à taper l'équation. On dit c'est A est égal à okay, delta y sur delta x, comment on a fait ça? Son équation, on a fait une fraction, son fraction, pardon. On vient ici, ok, on a choisi premier, hein? Là bon, un petit carré en haut, un petit carré en bas, petit carré en l'air, c'est là bas l'écrit delta y là. Comme on vient delta, on est capable de chercher ici, on est capable de chercher ici, ok, et puis ça m'a fait, nous taper delta, on est capable ici dans ce symbole là, on est capable de venir. Le moyen, on va monter notre technique pour pouvoir venir. On tape backslash, ok, et puis on tape delta avec grand D. Et puis, de vous faire espace automatiquement et créer delta V. C'est delta Y, ok. Et vous venez en bas là, vous faites en bas là, backslash, tapez delta avec grand D, delta espace, ok, delta X. Et puis, tapez là, ok, vous venez en taper égal. Égal à qui ça, on l'autre fraction encore. Ok, cliquez ici et vous dites Y, Y2. Ok, pour mettre 2 en indice. Ok, ça on fait, vous faites shift et puis underscore, à dire tirer en bas, vous tapez 2, vous faites espace automatiquement bas ou moins Y1, c'est le même bagage là, vous faites shift. C'est chiffre, vous parlez de chiffre là, donc c'est underscore tiré en bas sur la via et vous faites et vous tapez par exemple 1 et vous faites espace automatiquement libre. Vous faites même en bas x exposant 3 pour faire, vous faites x, vous faites chiffre avec signe exposant qui sur la via, signe exposant c'est qu'on a fait, et puis vous tapez 3 et vous faites espace automatiquement le x exposant 3 moins y. Okay. Chiffre exposant, vous mettez 2, vous faites espace automatiquement. Vous nous réalisez et nous tapez sans problème équation ça. L'autre équation nous vient pour nous encore ensemble avec moi. Intégrale de A à B, f de x dx. Comment on a fait ça? Nous tapez intégrale là, on va venir dans Word. On va venir dans Word. Ok. On va venir dans Word, on a fait insert, on a dit insérer une équation, ou bien alt égal, et puis nous allons taper équation, ça, et puis nous venons dans l'intégrale, c'est l'intégrale que nous avons besoin, nous venons là, ok,
nous prenons ça, deuxième option qui semble avec ça besoin, intégrale de A à B, nous cliquons là. Nous cliquons A, l'anticarré en bas, nous cliquons A. Ok? Là, nous écrivons B, A. Puis là, nous mettons F de X. Ok? Nous mettons F de X, puis DX. C'est comme ça, bien facile, nous capables de réaliser et nous capables de taper l'équation ça dans Microsoft Word. Si ça t'arrive, nous avons besoin de taper un examen mathématique. L'autre équation à point encore, comment on fait? Ok? C'est l'équation ça, ici. Ouais. 1 plus racine de 3 sur 2 multiplié par 3. Ok? Et on a fait? On a fini. On a fait alt égal, qui sont raccourcis que je joue une boîte de dialogue pour taper l'équation. Non? Et puis, on y a là, on va taper. Ok? Pour moi, taper li. Qu'est-ce que ça me fait? C'est 1. Ça me fait, c'est lycée en fraction, je viens là, pas première. Et puis, je me dis, c'est 1 plus. Je me dis, c'est 1. 1 plus racine de 3. Okay? Combien de racine de 3 devient un radical? Et puis, je choisis première option. Ouais, je deviens un radical, je choisis ça, ici. Ok, ben notre carré et là, on va le taper, taper 3. Et puis, sur 2 multiplié par 4, 2. Pour une multiplication, on va le faire dans ce symbole-là. Ok, on va cliquer sur là. Et puis, on va cliquer ici, maintenant, dans ce symbole-là. Et puis, on va taper multiplié par 4. Bien facile, mais comment? Pour capable de faire taper équation ça yo dans Microsoft Word. Ça nous pour encore. Ok, qui très facile, c'est on va voir ça. Vecteur de AB, comment on fait ça? On va taper vecteur AB. On fait Alt Enter ou bien nous fait Insert. Nous tapons, nous cliquons sur équation. Et puis, nous allons faire vecteur AB. Pour le faire, nous allons ici, dans accent, ici, pour cliquer. Et puis, on va choisir l'icône qui semblait avec là. Ça, nous devons faire. On va choisir une, on va regarder. On va regarder. Nous allons ici. Ici, nous cliquons. Et puis, en dessous, ça, on va taper A. On va taper A. B. Et puis, on va taper vecteur AB, nous avons besoin. Sans aucun problème, l'autre dernier ça n'a fait, c'est très facile, c'est 3 exposé 5 plus 42 par exemple. Et c'est ça. Ok, on a venu ici. On a fait Alt Enter, Alt égal, pardon. On a fait Alt égal, puis on a venu ici. Le territoire là, on choisit ça. Et puis on a tapé 3. Et puis c'est 5 plus 42. Sans problème. Mais comment dans Microsoft Word nous capables de taper équation mathématique? Quelle autre équation mathématique nous-mêmes nous allons faire recherche? Ok, nous allons faire recherche, nous allons venir. On a fait Alt Enter, on a fait Alt égal, pardon, et puis ici on a le symbole, ok, et puis ici nous sommes capables de chercher, là nous besoin de faire taper une équation mathématique dans Microsoft Word. C'est tout ça que vous avez pour nous aujourd'hui à nos All in One Informatique, pas oublier, abonnez à la chaîne là. Si nous pouvons faire ça, et si nous avons aimé la vidéo, ça, bon mon like pour nous faire sentir, j'en ai apprécié ça. Ciao, ciao, n'a pas encore.